Alors, je verrai si je fais le 10 ou 9 partie 2, quoi. Ouais, je pense qu'on va faire partie 2. Ouh là là. Voilà. On va faire un partie 2, comme ça c'est plus cool. Hop. Et on continue. Il y a des espaces dans la vie, non? Je sais plus. Il y a un espace là. Il y a une virgule ici. On va dire que oui. Ok. Tac 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 tac. Je pense qu'on est bon. Pourquoi c'est ouvert? On s'en fiche. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. On va parler à ce personnage. D'après mes recherches, tu as 0 dino dollars. Parce que si tu veux acheter une cuillère, je vais te la faire sortir. Donc, par exemple, si on veut ça. 20 digs pour 10 dinos. 20. Ok. Faut transformer nos dollars. Ok. J'ai un dino dollar. Je suis à un dino dollar de la Silver Spoon. Ok. Prends un triceratops. Il s'appelle Chad. La pyramide de la bouffe. A un truc pour trouver des trucs. Des objets perdus. Des artefacts anciens, des vieilles reliques, perdues dans le temps, la possibilité est infinie. Ah. C'est toi qui écris là? La dernière fois qu'un dino La dernière fois j'ai essayé de creuser chez Dino, j'ai trouvé pas mal de choses, pas mal de trésors. Mais cette fois-ci, j'ai juste trouvé des barres de granola. Ok. Le dino, alors les trésors qui sont disposés ici viennent d'à travers tout le monde. Je voudrais traverser partout. Ok. Alors on n'a toujours pas trouvé Marie. Du coup, Marie, je crois qu'elle est à l'extérieur, donc on va regarder. Et on va commencer de là-bas. Elle n'est pas ici. Au revoir, ma petite lapin. Je crois qu'elle est en haut, à droite. On l'avait vu quelque part, non? Par ici. Non. Bah, en fait, là, on est arrivé par ici, mais ce n'est pas ici. C'est vrai qu'on n'est pas passé par là. Elle doit être au début en fait, donc on va aller au début. Je sais pas où elle est. Ah si, elle est là. Donc on va commencer d'ici. Alors faut que je me motive. Alors, attention. Alors rebonjour YouTube, si vous êtes motivé à suivre encore ce let's play de l'infini. Rappelez-vous qu'on est en train de jouer à Omori, qu'il y a un avertissement. Cet avertissement est assez simple. C'est un jeu d'horreur psychologique, donc il y a des choses qui sont problématiques potentiellement. Et donc prenez soin de vous et faites en sorte que si vous êtes touché par la perte, la dépression, le suicide, l'anxiété ou le bullying ou l'harcèlement ou le sexisme, de ne pas regarder la vidéo. Changez tout de suite. Parce qu'on risque d'y arriver.
voilà. Donc là, en fait, c'est la deuxième partie de l'épisode 9, normalement. Cette deuxième partie est principalement faite pour pouvoir éviter que ce soit trop lourd à regarder. Parce que, en général, je fais les 3 heures ces temps-ci, mais j'ai essayé de limiter à 2h30 pour cette fois-ci, sauf que j'ai du temps. Donc on va continuer. On va continuer. Il y avait des choses à aller voir. Ici, il y a une porte. On n'est pas allé par là. Donc là, on est chez Dino. On revient du deep web. De la profonde, la bonne profondeur. Qui était le monde dans l'eau. Et là, on est du côté de... on a pris le train et on est du côté d'un monde où il y a du sucre, quoi. Eh, c'est cette place. Vous voulez rentrer ? Jossum m'a donné le mot de passe que je pouvais utiliser dans mes pérégrinations. J'adore ces gars, ils sont très rigolos. Quel mot de passe? Ah oui, non, mais parce que c'est bien entendu notre cher ami Hero qui peut utiliser ce mot de passe. Quel mot de passe? Hey Ogi, c'est moi Hero, le password c'est... Hero, mon ami, allez, viens, la porte est ouverte. Ah ouais, carrément, c'est des trucs... Mettez-vous à l'aise, tous les amis de Hero sont des amis. L'atmosphère ici est top. Je parie que Ruben a fait du super bon jeu. Prends un truc. Bienvenue dans Chillville, ok. Relaxe-toi, respire un peu, c'est le moment de se détendre ses muscles. Est-ce que tu veux Lunch with your friends? Oui, on a Lunch with your friends. Ouais, c'est cool. Ah, on gagne du jus, ok. Moi et Ogi, on est les propriétaires de cet endroit. Il est les muscles et je suis les muscles. Ok, c'est pas très intéressant comme discussion. Bon, partons. On avait aussi pas évité d'aller en haut. On était rentré vite fait dans la librairie, mais on n'est pas rentré là. Donc on va rentrer ici. Ah. Mina. Salut et bienvenue. Mettez-vous à l'aise. Il n'y a pas un moment calme dans cette maison. N'est-ce pas, Victor? Ouais. Luc dort. Juste une pépéronie en plus. Mais mes frères et sœurs, on a trouvé un grand tunnel. Mais il y a une entrée secrète que personne ne sait. On l'a vu. Si on se comporte mal, maman nous a dit qu'on serait envoyé dans le chasme chasme, un truc un peu shady, bizarre. Donc. Ok, ça c'est une porte? Oui. Ah, bonjour. Miss Palmy a pris soin de nous tous. Elle a toujours aimé, elle a vraiment été très aimante et fait attention à nous. J'espère qu'elle pourrait avoir quelque chose de spécial. Bienvenue dans ma maison. Je prends soin des enfants qui n'ont pas de famille. C'était un peu vide ces derniers temps. Du coup, je suis allé. Je suis vraiment. Je m'inquiète que les enfants. Qui sont partis se sentent seuls. Ok. Je peux pas prendre ça? Non. Je peux pas prendre ça non plus. Ok, on sait. Hein. C'est quoi qu'il faut que je lui ramène comme ce truc spécial du coup? Je comprends pas. Ouais, elle veut un truc, mais quoi? On sait pas. Bon, bref, c'est pas grave.
on a de la vie. Donc là, il y a une autre maison, une petite maison. Donut, la maman, la grand-mère Donut. Je peux vraiment... j'ai du mal à regarder, à voir ces temps-ci, mais je peux quand même voir des formes. Je peux dire que tu ressembles à un Donut bizarre. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as dit quelque chose? Ils se comprennent pas. Ma grande sœur nous visite rarement, mais elle m'a envoyé une carte postale que tout le monde... De temps en temps. Elle m'envoie des cartes postales de temps en temps. Elle a l'air d'aller bien. Ok. Et la petite porte, j'imagine? Un peu? Non. Du coup, on a eu un donut. Ok. Et du coup, là, on peut aller là-haut. Ah. Ok, il y a quelqu'un en haut. C'est une maison orange. On va direct dans la maison. Une photo d'une créature orange. De l'orange sanguine, ok. Ça va. Il va falloir que j'aille aux toilettes. Oh, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Mon nom est Orange Joe et je balance des oranges. Oh, cool. Mais pourquoi? Parce que je suis... Je cherche mon frère jumeau que j'ai perdu, Orange Joe. On a été séparés à la naissance, mais dans mon cœur citronné, je sais que il est toujours un peu, il est un peu ici dans le coin. Chaque orange est inscrit inscrit un message. Où... Ah, chaque orange a un message qui explique comment, qui je suis et comment me trouver. J'espère que je vais pouvoir l'envoyer dans toutes les directions et que l'une va pouvoir lui arriver et me le ramener. Ah, c'est trop mignon. J'espère que tu trouveras ton frère bien éventuellement. Merci jeune fille. Je sais que je vais trouver. Bonjour le chat. Mon corps est sain et je suis plein d'espoir et de vigueur. Mais au cas où. Et si vous trouvez mon frère, envoyez-le à la crête orange. Je sais que ça lui ramènera jusqu'à moi. Et on a du coup l'orange crête. La crête orange, ok. Donc je croyais que crête orange était l'endroit, mais non. On va trouver votre frère. Bon, du coup, faut que je fasse juste 3 secondes de pause. Je vais aux toilettes. 3 secondes de pause, je vais aux toilettes, j'arrive. J'ai coupé le micro avant, je suis désolé, j'arrive. Ok, on va pouvoir continuer. Il y a le chat qui commence à s'énerver alors que c'est pas du tout l'heure. C'est compliqué. En fait, je sais pas exactement, on va devoir revenir là où on était au début. Hein. Enfin, au début. Vous avez pas vu, mais... C'est ici. On était à l'intérieur de ça. Donc je suppose que c'est là.
On a une carte au trésor en plus, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. La carte au trésor, c'est pas par là. Ah oui, il faut qu'on trouve le... Bon, on verra ça plus tard. Donc, la carte au trésor, ça ressemble à ça, mais je pense que c'est beaucoup plus bas. On n'en est pas là. Et du coup, il faut qu'on aille là. Eh, hey, salut les aventuriers! Bienvenue à Dino's Dig, je suis Dino. Donc on va faire de la recherche de trésors. Est-ce que vous êtes prêts pour avoir une cuillerée d'aventure? Si oui, vous êtes venu à bon endroit, au bon endroit. Ça a l'air de coûter, hein. 100, ok. On a créé l'ultime chasse au trésor, l'aventure de chasse au trésor que vous pouvez expérimenter avec un prix très bas, 100 balles. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, est-ce que tu es prêt, Nina? Pour être heureux, heureuse, excitée de creuser. Dinotastique. J'ai l'impression qu'on va se battre contre un dino après. Hein. Ok. Ok. Ah, du coup, il faut creuser avec des cuillères. Il va nous donner la potato spoon. Gratuit. Du coup, il faudrait acheter d'autres spoons. Ok. T'es un vrai petit apprenant. La pyramide de la bouffe, tu vas pouvoir trouver des super trésors de tout l'univers. Et le meilleur, c'est que tu vas pouvoir tout garder. C'est la Dino Garantie. Laisse-moi te tenir au courant de cet endroit de digue. De creusement, quoi. Enfin bref. Alors, vous avez compris. Il y en a 4. Il y a 4 niveaux. Tu vas toujours commencer au premier niveau, mais si tu es chanceux, tu pourras trouver la clé de la pyramide. Qui ouvrira la porte de la pyramide au prochain niveau. Plus tu descends et plus t'as de trésors. Plus les trésors sont bien. Maintenant, il y a un problème. Chaque cuillère a une utilisation limitée. Par exemple, tu peux creuser que 5 fois avec la potato spoon. Et si ta cuillère se casse, la recherche du trésor se finit. Et la pyramide la porte pyramide se ferme. Et on te ramènera à l'entrée. Ok. Oui, on a tout compris. Dinotastique. Et maintenant, c'est le moment des disclaimers. Les trésors ne sont pas les seules choses que tu peux trouver dans la pyramide. Tu peux aussi trouver des gens qui te tapent. Mais tu ne pourras pas nous poursuivre pour ça. Si quelqu'un te met KO, ce sera un vrai game over. Voilà, c'est tout. Tout ce qui te reste à faire, c'est de monter les marches et dans la pyramide de ouf. Et de commencer. Ah, et c'est parti. Ok. De toute façon, on va gagner à chaque fois, donc y a pas de problème. Un bun bun. Ok. Wow, la musique, elle se vénère ou c'est bon? Il est un peu bourrin en fait. Il a un peu de vie. Ah oui, il a quand même pas mal d'expérience, donc ouais. Ils ont un niveau. On a que 5 chances de creuser, mais bon.
Ah oui, du coup, c'est les trucs avec les croix qu'on creuse. Ok. C'est les snake, strawberry snake. Les serpents... les serpents fraises. Ah, ils ont de la vie de fou, hein. Wow, ils ont tué Hero, ils savaient qui taper. Au revoir le chat. Au revoir Nina. On a l'expérience en moins. Petit cul. On peut faire des guillis, c'est ça. Du coup, en fait, faut qu'on trouve de la thune. Des dinodigs. Bon, on va commencer à creuser, hein. On va creuser là. Non, là. Là, c'est clairement là. On a trouvé Hector ? Oh, Hector. Comment c'est possible ? Toi ici ? Allez, reviens dans ma poche. Ah, quel ! Mon vieil ami. Je suis désolé. J'ai peur. J'ai peur que j'ai changé et que je ne peux pas t'accompagner, tu vois ? Quoi ? J'ai une famille maintenant. Attends, Hector Junior, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu dis que tu veux les rejoindre ? Il y a plus... Il y a tellement plus... Hector est une pierre. Pourquoi tu me griffes, là ? Pourquoi tu me griffes ? Hein, Nina ? Enlève ta patte. Il y a plus de vie que juste de rester ici. C'est pas l'heure, hein. Donc me cherche pas, en fait. Oh, Hector Junior. Je te comprends bien. Même cette vieille pierre sait s'amuser, au moins. Mais tu auras des aventures mémorables ensemble. Va aller rejoindre Hector Junior dans sa poche. Oui, comme ça. Je suppose que c'est un au revoir maintenant. Qu'est-ce que t'as ? Merci de m'avoir cherché jusqu'au bout. Hector Junior, tu seras bon, ok ? N'oublie pas ta famille. On est toujours avec toi. J'espère que la prochaine fois qu'on se recroisera, tu seras grand et une pierre lisse. Ne t'inquiète pas, Hector. Je vais prendre beaucoup de soin de Hector Junior. Je sais qu'elle... Je te le promets. Eh ben, tu veux venir ? Tu veux venir ou tu veux pas venir ? Parce que là, tu veux des câlins, tu veux me miauler dessus... Je sais pas ce que tu me veux. Tu me griffes. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien ? Tu veux manger ? Ok. Bon, du coup, on a trouvé Hector, hein. Ça faisait partie de nos quêtes. Mais Nina, tu m'as planté tes griffes, wesh. Aïe, aïe, aïe. En plus, je me fais tabasser par une strawberry snake.
c'est pas cool. C'est pas cool, là. En plus, tu t'hésites pendant 15 ans et t'attends le dernier moment où je te fais pas attention à toi pour pouvoir me planter, quoi. Vraiment abusé. Désolé pour le cri, hein, ça a dû faire mal aux oreilles. La musique est intense, hein. Bon, je suppose que c'est là. Un code ancien. Que quoi? Ancien code, c'est là. Ah ouais, non, mais... s'il vous plaît. Un donut. Bon, ça, c'est nul. Ah, on a un dino dollar. Ça sert à rien. On en a besoin de 20. Deux. Bon, voilà. On va s'acheter une... une spoon, hein. Mais d'abord, on va garder la potato pour mash up le... Parce que, il faut combien, là, pour celle-ci? 20. Ok. Donc, il faut que je claque de... 100... à chaque fois... Bon, allez, c'est parti. Ouais, faut avoir de la chance quand même pour tomber sur des dinos de l'arme. Bon, on va fixer sur les seuls endroits où on connaît de toute façon. Il pique lui. Porcupine. C'est un hérisson dans une tarte. Je sais pas si on gagne des dino digs ou on gagne de la thune en les tapant. Ok. Il va m'embêter lui. Pas dans le sens. Non, il y a Hector toujours. Oh, il m'embête. Monsieur, vous avez trop de vie. On a rien en thune en plus de dino thune. Est-ce que c'est là déjà? Non.
Je sais même pas combien j'ai de dinotune. J'ai combien de dinotune? 9. Ah, encore un et je peux acheter. Attends, mais il y a la dorée aussi. C'est une dorée, ça? Non, ça, c'est une platique. Non. Nous, on veut, celle qui fait le plus. Bonjour, on vient ici claquer. On veut un dino de là et c'est bon. Et après, on pourra faire 20 dino digs. On va faire tout premier niveau et après, on fera tout le dernier. Et je pense que la clé est toujours au même endroit, comme ça nous facilite. Salut, je n'ai pas de cuillère. Bonjour, donne-moi une cuillère à 5. Voilà, merci. Donc. Oh là, attends. On fait que des attaques menaces, parce que... Ah ouais, mais y'a rien. Oh là là. Ils prennent rien comme coup, on fatigue. ...205 de coups dès le début, bah ouais, ok, si tu veux. Il est toujours vivant, lui. Comment il peut être vivant? Je sais parce qu'il est... Il est sad. Ça lui fait aucun dommage. Ouh. Allez, on se tape direct. Comme ça, c'est fait. Deux. Mais en fait, pas. Incroyable, ils sont vénères, eux. Pourquoi il a autant de points de vie et en plus de défense? La défense, c'est parce qu'il est triste. Mais j'ai développé plein de trucs, alors on va regarder. Bon, on voulait aller là. Je soupçonne que c'est que de la thune, hein, mais... On aura de la thune, déjà, c'est bon. Donc, skill, j'ai vu qu'Aubry avait pas mal de nouveaux trucs. Non, ça on l'avait déjà. Contre. Ouais. Pas ouf, hein. En fait, le truc qui est là, c'est pas un truc de ouf. Ah,
Exploit, ça a l'air pas mal, parce que ça, en fait, t'as des dommages en plus si ils ont une émotion, en fait. Et la vérité... Bon, après, ça leur rend triste, mais c'est tout ça. Alors, du coup... On va essayer ça. Il y a Kel aussi, je crois qu'il y a eu un truc. Rallye. Il devient heureux et il peut récupérer de l'énergie. Et les amis de Kel récupèrent de l'énergie et et du jus. C'est pas mal ça. Ah d'accord. Comeback, c'est... Ça rend Kel heureux, mais s'il était triste, ça le... S'il était triste avant, il gagne Flex qui lui permet du coup de rajouter plus de dommages au prochain tour. La balle courbe est pas mal, parce que ça permet de taper toutes les émotions. Essayer comme ça. J'ai enlevé un truc fat. Non, swap. Mesmerize. Ça agit en premier. Tous les méchants vis 0 et il prend moins de dommages. Enchanté. Et devient heureux. Ah, ça c'est pas mal ça. Cher food, ça partage de la bouffe. Ça permet de donner de la vie et d'en prendre. Ah non, ça c'est bien, tout est bien de chez Hero déjà. Bonjour, on vient acheter ça. Voilà. On va trouver des trucs, t'inquiète pas. On a tellement d'argent qu'en fait on peut le faire 15 millions de fois ce truc là, donc il n'y a pas de problème. Donc, il y a plein de trucs qu'on a déjà fait, mais on n'a pas fait beaucoup la droite, donc on va faire la droite. Et on en a 20, du coup, voilà. Donc ça c'était de la thune. Donc là, il est énervé, par exemple. Faut que je me rappelle de la charte. Je vais me rendre triste. Je vais Team Spirit avec... Bon, je vais le taper direct. Je vais... Voilà. Une balle courbe, et hop, ça le rend triste. Bam. La balle courbe, c'est pas mal. Allez, hop, deuxième attaque. On va tabasser. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Non, ça, c'est en fait, faut être énervé quand les gens sont tristes. Dazzle carrément. Le mec il brille. Ah, attendez. Comment ça tu brilles? Le mec. Pardon. Non, mais c'est pas ça. Ça agit en premier, ça réduit l'attaque des ennemis et ça le rend happy. Il est déjà pas mal happy donc c'est bien. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc là, il nous en reste 19. Donc là, on n'a pas fait ceux d'en haut, je crois.
Hot dog, pas très intéressant. Chicken wings, pas trop. Ah. On va lui enlever tout de suite. Ça a augmenté son dommage parce qu'il est lavé des émotions. C'est ça qu'il faut que j'utilise en fait. Dès le départ. Ok. Là c'est de la thune. La clé de la pyramide, voilà. Ok. J'espère qu'elle sera toujours au même endroit. Un gingembre. C'est pas possible. Allez, le céleri ou le gingembre? Alors, le gingembre. Moi, j'aimerais bien que tu cookes pour... ouais, quand même. Ah, c'est tout. Il faut que j'enlève ce table, ça marche plus. Hein. Ça marchait bien tout à l'heure, mais là ça marche plus. Faut que je change ce table. Il a appelé Aubrey. Ok. Ah, ça tue le céleri, ça tape le céleri par contre, avec ce table, ok. Normalement une fois sur 6. Hein. Ouais, c'est fini. Hein. Ouah, ils ont combien de vie? Non mais il a trop de vie, c'est quoi ce changement? Wesh. Wow. Il a trop de vie. On va faire que du level up ici. Dur à vie. Ah mais c'est son off. Où suis-je? Qui suis-je? Attends, tu ressembles à quelqu'un. C'est incroyable. Tu dois être le frère jumeau de Orange Joe. Orange Joe. My name is Orange Joe. Et j'ai un frère jumeau. Oui. Il te cherche depuis longtemps. Tiens, prends ça. Il nous a dit de te donner ça. On lui a donné la couronne de... Ah oui, c'est la couronne orange. Depuis que je suis petit, je l'ai cherché partout. Tout ce que j'avais à mon nom, c'était ce pendentif. Avec un...
une orange, une croix, une croix, une couronne orange gravée dessus. La même chose qui apparaît sur cette couronne orange. Tout est clair maintenant. Je sais où, qui suis-je. Et je dois être Oranjo. Frère, je n'y crois pas. C'est vraiment toi. Oui, frère, c'est moi. Oranjo. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'erreur. Je peux le sentir dans mon cœur de citron. Citronné. Oh, tu m'as manqué, cher frère. Oui. Mon corps est plein de d'espoir et de vigueur. Oh, comme j'ai attendu ce moment. On se rencontre enfin, mon cher frère. Embrassons-nous. Je dois vous remercier, les enfants. J'ai jamais pensé que je pourrais retrouver mon jeune frère un jour de ma vie. J'ai entendu Discord, je crois. Et maintenant, il est ici. Prenez cette chose qui représente mon appréciation de la vie. Ok. Oui, merci de nous avoir réunis. J'ai attendu si longtemps de trouver mon vrai chemin, ma vraie maison. Tenez, ceci, c'est mon cadeau. Il nous donne de la vie. Ok. Allons-y, frère. Rentre à la maison. Tu es vraiment trop gentil, frère. Oui, on sait. Comme célébration de notre rencontre, marchons ensemble. Espoir et vigueur. Espoir et vigueur. Espoir et vigueur. Waouh. Salut, hein. Bon, bah, c'était bien. Oui, il y a Discord qui est en train de s'énerver là-bas. Non ! Cilantro, c'est quoi ? C'est du persil ? Bon, le persil, ça a l'air d'aller. Hein. Mais il doit avoir max de vie, quand même. Le gingembre, c'était le pire. Bon, il y a Discord qui est en train de se vénère. Je vais regarder du côté de Discord. Attendez, je vais peut-être finir ça. On n'a plus beaucoup de possibilités. Hein. C'est qui s'énerve ? Nouveau message, info roboto. Qu'est-ce qu'il me dit ? Non, mais ça c'est bon, ça. Ça c'est pas un problème. Ça c'est l'anti-stream. Je l'avais rendu muet pendant 24 heures. Je vais refaire la même chose. Histoire que personne ne nous embête. Pendant qu'on joue. Donc troisième niveau. Ah bah tiens, on connaît. C'est ici. Mais non, pas le X! Oh non, on va encore avoir nos pattes de pendule. Pourquoi il y a des chicken en gifle hein? Oh là là, il en manque 4 et après on est dans... Faut vraiment pas que je fasse comme ça. J'ai l'impression qu'il est plus petit le monde. Il y a les lapins aussi. Ils ont l'air bien vénères avec leur image. Voilà, c'était sûr. Mais on va vérifier du coup notre théorie du fait que c'est au même endroit. Là, on a débloqué pas mal de trucs. Hein. Enfin, on a débloqué. Oui, oui, on a trouvé pas mal de trucs. Mais on est reparti. On va juste vérifier que j'ai une bonne mémoire. Donc, voilà. Je sais plus exactement où est la première clé.
Je sais où est la deuxième. On va faire ça au pif, hein. Alors. Non, mais laisse-moi passer. C'est long, ça. Mais non! Ah, c'est une! Faut que je paye à chaque fois? Attends, c'est celle-ci, là. Laisse-moi passer. Mais je les aime pas, ils m'énervent. Oh, ils sont tous énervés. Allez, avance. Oh, j'aurais pas pensé que l'histoire de la cuir, c'était que pour un tour. Purée, ça revient à beaucoup, là. En fait, t'as intérêt à chaque fois à trouver 20 dinos. En fait, faut vraiment se rappeler de là où sont les clés. Hein. Ok. Bon, du coup, ça a intérêt à être au même endroit. Non, mais il a trop de dommages. Non, mais non! Là, il est protégé! Bon, ça va. Mais non! Il est pas là! Ah, il était là, quand même. Ok. Bon, j'avais une chance sur deux. Apparemment, c'est ça. Ça va jouer sur le... Alors, eux, ils sont vénères, donc on va essayer d'éviter au maximum. Non, 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 mais on... Oh non, pas le gingembre. Brûlez-le, s'il vous plaît. Le gingembre, il est trop beau, hein. Mais non, mais s'il vous plaît, le gingembre, la fin, hein. Tout de suite, maintenant. Oh, en plus, il loupe. Ça va être compliqué, hein, parce qu'on a plus de jus. Voilà. Oula. C'était tendu, hein. C'était tendu. Bon. Ok, bon, on récupère de la vie.
J'espère que c'est la suite du truc, hein. Il faut qu'on aille jusqu'en bas parce que... Quoi? On a combien là? 9. Oui, on est là pour ça. Se recentre. Hop là. Oh. Oh non. On va voir, normalement c'est ça. Hein. Allez, Omori. Ouais, c'était... ouais. Moi, je vais jouer un peu plus strat. Oh, en plus, ça se déplace. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais est-ce que c'est vraiment là qu'on doit aller? J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ce serait ici. Parce que c'est chiant comme la mort en fait, cette histoire de cuillère. Bon, on va au même endroit. Hein. Bon, voilà. On va taper celui qui n'est pas... équipé pour se défendre. Mais même en plus, on récupère même pas de la vie, y'a rien, tu vois. Je sais pas si c'est le fait que j'ai enchaîné partie 1, partie 2, mais en fait, ça me fatigue là, la manière dont ça se passe.
Je crois que j'aime pas du tout ce monde du coup. Bah non, en fait, on va taper directement le mec qui est heureux. En fait, c'est lui qui va se faire bourriner, là. Oui, il y a un son spécial quand tu bourrines, quoi. Ok. Sinon, ça n'a pas trop de sens, quoi. Ok. Bon allez, faut un peu y croire. Donc là, nous, on avait trouvé ici. Non. 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 J'ai pas envie d'aller là-bas. Bon, ça doit être là-bas. Hein. Sinon, on va aller là, et puis on voit ce qui se passe ici. Oh là là. Oh là là. Voilà, bien entendu. Au moment où je veux le faire, quoi. En fait, il n'y a pas... C'est marrant parce qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de raison pour que j'y aille. Prendre le train, il n'y avait pas de raison non plus, en fait. Et du coup, c'est juste parce que je sais qu'il y avait le train. Là, on est un peu en mode on y va, quoi. C'est possible qu'il fallait que j'aille dans l'autre monde. Bon. Oh non, mais eux, ils m'énervent de fou. Il nous faut du jus. Normalement, ça devrait être pas mal pour un vrai. Voilà. Donc là, ça a tabassé. Tout simplement. Allez! Non. T'inquiète pas, Nina, c'est bientôt l'heure. En fait, c'est marrant parce que là, ils sont neutres et ils sont pas démontés quand même. C'est un peu gratuit, quoi. Oh, bonjour le chat.
Bah oui, je sais, c'est bientôt là. T'inquiète pas. Final Strike. Pour Omori. Mais tu viens, tu pars, donc je sais pas quoi faire avec toi, Nina. Donc là, un truc Final Strike, qu'est-ce que c'est? Ok. On verra ce que ça donne, parce que j'ai enlevé stab, ça servait plus à rien stab. J'en peux plus, on est en train de on utilise cette cuillère pour rien, on a même pas 10 de dino dollars. Oh là là. Enfin, purée. Bon là, il faut qu'on faudrait qu'on ait de la chance, chose qu'on n'aura pas. Du coup, en fait, c'est pas mal si tout le monde est neutre et que moi je suis pas neutre. Ah ouais, ça utilise beaucoup, beaucoup. Hein. N'importe quoi. Allez, Jean-Jean, c'est un truc de fou. C'est incroyable cette histoire. Hein. Je suis désolé, mais comment on a pu arriver face au Jean-Jean qui nous bloque la route, wesh. Wow. En fait, c'est parce qu'il reste neutre, je crois que c'est ça. Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est parce qu'il reste neutre. Faudrait que je le rende énervé. Parce qu'en fait, il dit qu'il se calme. Donc, c'est ça, en fait. Bon, allez, s'il te plaît. Oui. Plus on descend, et moins on a de coups. Et moins il y a de choses à, de toute façon, chercher. Donc, c'est très bien. Voilà. Direct. Bon, tapons les gens peut-être. Ah, il nous fuit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un objet important. Merci, fossile, il est marqué. Ah, c'est une carte fossilisée qui dit merci. Hot dog. Ils ont peur de nous, hein? Trop bien. Ah, du coup, on peut se taper quand même contre eux. Il est énervé. Eh bien, écoute... je crois qu'il faut qu'on... Voilà. Final Strike. Je vais te défoncer. Et je te mets une courbe... une courbe, tu vois. Et je fais à manger pour qu'elle. Ah oui, non, mais parce que du coup, non, ça marchera pas avec Final Strike. Parce que je suis neutre. Et neutre, c'est pas au-dessus de... Ah
Ouais, il faut donner de la vie aussi à Aubrey. Hein. Du coup, faudrait que je sois sad. Donc on va faire ça et après on va faire son attaque. On va prendre un peu de vie. Ah, ils ont de la vie, je crois. Ouais, ils sont bons. Hein. C'est bien ce que je me disais. C'est pour ça qu'ils étaient pas trop. Ok. Bon, faut compter un peu sur mourir. Il est en train de nous toaster tous. Et là, normalement, ça devrait être bon. C'est tout? C'est tout? Allez, allez! Voilà. Faut juste qu'on traverse, faut juste qu'on traverse, faut juste qu'on traverse, faut juste qu'on traverse. Voilà. Oh non. Pas le game over maintenant, pas maintenant. Ah non, je vais pas le rendre triste. Quoique si je le rends triste, je peux peut-être m'énerver. Même si je vais faire ça. On va donner du jus à... notre cher Omori. Ah, c'est barré? Ok. Allez, s'il te plaît. Non! Pas ici, pas maintenant! Non! Non. Mais y'a rien en bout, en fait. Y'a que de... Bon, je me barre, hein, j'en ai marre. Y'a rien au bout. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait ici, au fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je situe pas en fait. Là, je comprends pas. Je vais parler avec Marie puisque. Ça a l'air de ramer en plus, là, je sais pas pourquoi. Dis-moi que c'est une. Oh. Un chapeau dur. En fait, ça a l'air de ramer, je sais pas pourquoi. Pourtant, je perds aucune truc, mais ça freeze. Attendez, je vais regarder, peut-être qu'il y a une mise à jour hein, qui est en fond, ni vu ni connu, qui me dit pas. T'es en train de faire une mise à jour, c'est ça?
Non. Il n'a pas l'air de dire quoi que ce soit. Peut-être du côté de Steam. Si tu prends la tête, si c'est Steam. Tais-toi! On va s'arrêter, t'inquiète pas. On va s'arrêter d'ici peu parce que je crois que je suis fatigué. Et du coup, je me suis arrêté, il était... j'ai fait une marque, je crois que c'était à 2h30, donc ça fait 1h en plus. Au final, c'est 3h, quoi. Mais là, je suis perdu. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. On va discuter avec Marie pour voir. Et en plus, ça a l'air de ramer, je sais pas pourquoi. Il en a marre. L'ordi, il en a marre. Bon, Marie, du coup, dis-moi. Oui, est-ce que tu peux m'aider? Bah, on va par où? Chez Basile. Mais non, mais... Ah! Pour Palmy, il faut juste lui dire merci avec le truc fossilisé. Bon, allez, on va lui donner ça. Merci Marie, c'est cool de ta part. Au revoir. Oui, ça a beaucoup aidé, t'inquiète pas. Ok, faut qu'on y aille, hein, puisque mon ordinateur est en train de décéder. C'est pas par là. Non mais... c'est là, je crois. Palmy, c'est là. Je crois. Non. Mais en fait, je veux bien ça, tu vois. Il y a un truc que je veux bien, tu vois, genre que t'es... que tu cherches Basile et tout, mais là, en vrai... pourquoi je devrais le chercher dans un endroit où c'est un jeu de trucs au trésor, hein, réellement? Genre, je vais le trouver sous un tas? Un fireplace? Un scone? Ah ouais, donc c'est le ticket pour aller prendre un... Ok, bon, du coup, on trouve tous les trucs au fur et à mesure, ok. Alors, attendez, parce que... Mais moi, je soupçonne qu'il était juste au bout de... Ils en parlent dès le début, en plus, donc du coup... Il est au bout de l'échelle, à côté des spin wheels, et on l'a pas trouvé, quoi. Et on va la voir arriver. Oui, voilà, c'est ça, c'est le jeu des cerfs, quoi. Mais en fait, ça rame trop. Pourquoi ça rame à ce point-là? Pourquoi ça fait des sauts de trucs? On est à 30 images par seconde, normalement, ça devrait être bon, là, c'est pas grand-chose. Petit ordinateur, c'est parce que ça fait 3 heures? Après, je peux comprendre que tu vois, genre, ça nous fait de l'entraînement sur le truc. Mais je vais regarder, je vais essayer de continuer, peut-être en dehors du stream, pour pouvoir juste avancer, parce que... J'ai pas l'impression qu'on avance, en fait, de ce côté-là, donc... je vais regarder peut-être en dehors du stream si on peut continuer de ce côté-là. Mais je vois pas, en fait... C'est le monde en lui-même, c'est ça, justement, d'aller chercher les trucs. À gratter, quoi. Mais je vois très très peu comment ça peut se faire. Je vois pas, en fait. On arrive au dernier monde, on se tape contre le poulet, il se barre. Et en fait, faut juste avoir... attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Faut qu'on en ait encore 6. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise 14 minimum pour pouvoir arriver à son truc-là. Et c'est aléatoire. Genre, en fait, j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Voilà. Bon, du coup, on arrive à 24 heures, il reste 5 heures normalement. Enfin, un peu moins, normalement. On est censé finir entre maintenant et 29, maxi. Voilà. Bon, du coup, c'était Omori. J'espère que vous avez bien apprécié, parce que moi, je suis un peu fatigué, du coup. Je suis désolé de quitter comme ça, parce que, bon, ça m'a un peu saoulé. Mais voilà. Il y aura la suite, ne vous inquiétez pas, on sera là. Si vous voulez être tenu au courant, d'ailleurs, je vais vous dire ça tout de suite. Et en plus, il y a le chat qui s'énerve. Donc c'est pile l'heure. Voilà, je vous mets ça dans le chat. Hop.
Si vous voulez être tenu au courant des dernières informations, ce sera par Twitter. Et si vous voulez être tenu des dernières informations, mais un peu plus tôt peut-être, ce sera le Discord, si vous voulez discuter. Pendant les vacances aussi. Et sinon, bah, y a toujours les sorties sur YouTube. Hein. On est en vacances, on fait un peu des trucs un peu à l'arrache, mais en vrai, il y a toujours YouTube qui est toujours là. Et il y a de l'avance, donc voilà. Je vous dis au revoir. Et j'espère que vous avez bien apprécié ce petit passage, même si à la fin ça m'a saoulé. Et que j'espère que je n'ai pas trop retranscrit le fait que ça m'a saoulé. Je vous fais des bisous. À plus tard. C'est ouf quand même que c'est autant buggé hein, pendant la fin. Bon, salut.